Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et bienvenue pour la première extension de Neverwinter Nights, Shadows of Undertide. Enfin, nous allons pouvoir commencer une extension qui nous promet au moins 20 heures de jeu en plus. A savoir que j'ai eu un petit léger problème d'installation. Mais je n'ai pas eu à désinstaller Neverwinter Nights. Juste que j'ai dû utiliser une deuxième copie du jeu. J'ai bien fait d'avoir acheté une version de luxe en même temps. Donc ne perdons pas de temps. On va qu'en faire nouveau. On va faire donc la campagne Neverwinter Nights, tout est fait. L'extension 1. Car Shadow of Undertide, il faut que je prononce bien, est la première extension. Et donc 3 chapitres avec un petit interlude a priori. Eh bien, commençons. Je vais juste ne pas créer un nouveau personnage et garder le mien. C'est parce que quand même, niveau 16, 59 PV, pas mal. Avec mes dons, mes compétences et mes sorts que je n'ai pas. Il me semble que l'inventaire est gardé, cependant. Et donc, commençons. C'est parti. Haute colline, l'un des nombreux petits villages qui parsèment la région la plus reculée des régions sauvages du Nord, les Marches d'Argent. Rares sont ceux qui choisissent de s'installer en un lieu si froid et inhospitalier, à moins de chercher à commencer une nouvelle vie ou à fuir son passé. C'est à Haute colline que votre mentor, Maître Drogan, a choisi de s'installer après toute une vie d'aventure. À vous et à quelques autres élèves prometteurs, il transmet le savoir qu'il a accumulé. Mais le mal approche dans les ténèbres, guidé par de sinistres motivations. Le temps est venu de prouver votre valeur ou de tomber dans l'oubli. La cinématique me met tellement dans l'ambiance et effectivement, il se trouve que j'ai récupéré et bordel de merde, va falloir que je me débarrasse de plein de trucs. Va falloir que je me débarrasse de 3-4 trucs vu que j'ai fini la quête principale. Je pense que je ferai ça plus tard. Je garderai quand même l'anneau d'Aribès parce que c'est un anneau. Ça, je m'en débarrasse. Oh, what? Qu'est-ce que... Ouh là là, il y a un petit bug de... Je crois qu'il y a un petit bug avec les trousses de ce de premier secours. Et ça, il faudrait que je la revende. Une double hache d'ailleurs qui me pèse... moult kilos. Voilà, 99, je pense que c'est déjà mieux. Alors, voyons voir. Votre cantine. Oh. Oh oh oh, de l'or. Un cristal de focalisation. Bien que plutôt courant, ces cristaux sont très recherchés pour le contrôle des manipulations et l'enchantement de sort. Un cristal qu'on se fait à chaque fois que l'on utilise la main la main de... Oh ! Un objet magique. Alors, c'est l'un des nombreux anneaux forgés par Dragon Sword Drogan, donc le DDD. Dragon Sword Drogan s'est retiré après une longue vie d'aventure pour entrer. Alors, chacun a donc le permet de se téléporter auprès de lui en cas de danger mortel. Pour que cet anneau soit utilisateur, doit posséder un cristal de focalisation. Un cristal consommé au moment de la téléportation. Est-ce que mon cristal de rappel ne fonctionne plus du coup? Du coup, bah. Je vais le foutre ça là. Alors, journal. Voici votre journal qui retrace votre vie à l'Académie de Drogan. Du jour où vous avez franchi la porte jusqu'aux notes prises la veille. Tout ce que vous y avez vécu est relaté dedans. Un chapitre du journal évoque vos relations avec les autres apprentis. Xanos, l'ensorceleur de Mi-Orc, affiche un air supérieur qui n'est pas du goût des autres apprentis. Dorna est une roublarde de naine qui aime jeter de l'huile sur le feu dans les relations entre Xanos et la troisième apprentie, Misha. Misha est une humaine, paladine de Mistra, dont la vision du monde se limite à ce qui est noir ou blanc sans aucune nuance. Vous êtes le quatrième, et l'aîné des apprentis Drogan a toujours eu du respect pour vous et vos capacités. Récemment, Drogan a commencé à rechercher de nouveaux apprentis puisque votre formation est bientôt terminée. Vous devrez bientôt passer votre examen final. Très bien. Alors, corne d'écoute.
tout n'était que ténèbres tandis que vous pénétriez dans la demeure d'un riche marchand. Vous pouviez entendre les gardes faire leur ronde, mais les ténèbres magiques vous empêchaient de voir précisément où ils se trouvaient. En vous concentrant sur le bruit de leur respiration ou celui de leurs armures, vous avez réussi à les éviter pour parvenir à la salle des trésors. C'était le dernier test de Drogan, et même si ce n'était pas votre examen final, vous avez démontré que vos capacités étaient aussi déguisées qu'une lame. Drogan vous a offert cet objet spécial qui vous permet d'augmenter votre compétence de perception auditive. Oh là là! Ah mais cet homme doit être fort. Alors moi je veux savoir le doublage surtout. Je mets la carte par contre, ce serait bien. Alors, donc, nous sommes les quatre apprentis. Misha, Xanos et Dorma. Je vais me profiter pour faire une petite sauvegarde. Sauvegarde, on va dire... SOU1. Voilà. Alors là je prends mon temps puis je découvre. Donc là ça doit être la porte. Bonjour. Oh là là, bonjour. Oh, mais te voilà. Dis-moi, as-tu entendu parler des résultats obtenus par notre cher Misha lors de sa dernière épreuve? Tu as une très belle voix. J'en ai assez de tes railleries, Xanos. Tu n'aurais pas fait mieux que moi. Ok. Au contraire, très cher. Moi, j'ai pour habitude de faire exactement ce que Maître Drogan me dit de faire, vois-tu. S'il me demande de sauver l'enfant gobelin, je le fais. C'est aussi simple que ça. Je doute que Maître Drogan te demande un jour de sauver qui que ce soit. Voler quelqu'un, oui, mais le sauver, non. Ah ah, c'est toi qui aspires à être voleuse, ma chère Dorna, pas moi. Mais un gobelin est un être malfaisant, qu'il soit adulte ou non. Comment peut-on exiger de moi que je lui apporte mon aide? Cette épreuve n'est pas juste. Alors là, je peux être un vrai bâtard. Alors attendez, parce qu'il y a une intervention IRL, je crois. Voilà, excusez-moi de cette interruption. Oui, donc je disais, là pour l'instant, le personnage, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y en a un, il fait ce qu'on lui dit, donc pas très intelligent. Il y en a une qui est un peu... Je serais tenté de dire Sainte-Nitouche, mais innocente, on va dire, qui ne voit effectivement le noir, le blanc, et une qui est un peu quand même dans la réflexion. Mais là, on peut tellement lui dire, t'es une merde. C'est soit t'es une merde, soit y aller avec en mode très bien. Alors moi, je veux savoir pourquoi, en fait. La drogue nous met à l'épreuve afin de nous... D'accord. Ah mais y a plus les voix. Merde. Alors évidemment, ce prof se propose en rapport avec la discrétion. Il paraît que c'est un grand aventurier, je sais. Alors soit je peux me dire, j'en ai plein le cul. Je peux soupirer. Oh, je soupire. Ah. Je pense que ce que nous en tirons. Je suis d'accord. Oh. Ah, je t'aime bien, gamin. Je sais pas. Alors, mais regarde, nous a donné ses armes pour nous protéger. Moi, je suis... Ouais, mais je pense que c'est un MacGuffin, là, nous, en fait. Ouais, de toute façon. Je connais des vraies stratégies, telles la Safe Strat ou la Door Strat, de toute façon. Oh, je pense que ça va être sur la roublardise. Oh putain, la roublardise. Oh, ça va tellement être merdique. Je meurs d'impatience que Maître Drogan me propose ma dernière épreuve. J'aimerais bien être à ta place. C'est que maintenant les doublages? Pour une fois, je suis d'accord avec la petite. Si je suis venu chez Maître Drogan, c'est pour apprendre à devenir un aventurier. Alors, je veux partir en aventure. Non, à l'aventure. C'est vrai. J'aimerais bien qu'il se passe enfin quelque chose d'excitant à Haute Colline.
Qu'est-ce que c'est? Des bruits de combat en bas. Maître Drogan est en danger. Utilisez vos anneaux. Ah bon, merde. Je tiens à m'excuser si la cinématique a un petit peu planté. Et là, quand même, assez grosse cinématique. On va occuper. Enfin, en fait, j'en ai rien à foutre de vous. 1, 2, 3, 4. Bonjour. Madame, vous êtes... Tous les monstres sont partis? Je vais m'occuper de Drogan, alors. J'imagine à quelle bassesse ils ont dû avoir recours pour le vaincre. Madame, vous êtes... Du poison? Je ne sais duquel il s'agit, mais mes sorts devraient me permettre de le contrer. Tiens bon, ami nain. Obidane. Quoi? Le poison me résiste? Comment est-ce possible? Il ne s'agit donc pas d'une substance naturelle. Je me demande où ils se sont procurés un tel poison. Et pourquoi sont-ils venus jusqu'ici pour attaquer Maître Drogan? Il doit bien y avoir une réponse. Oui, la première étant, qui êtes-vous? Ah voilà, une étrange animée de bonnes intentions. Que tu es mal poli, ouais bon d'accord. Elle, on va... Alors, elle, toi, tu vas mourir. Toi, tu vas mourir. Toi, tu vas peut-être survivre. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Alors... Les ménestrels. Oh. Je crois pouvoir faire la lumière sur cette affaire. Ah mon Dieu, ce doublage est incroyable. Maître Drogan. Tu joues super bien la tristesse et la surprise. Drogan, tu es vivant. Mistra soit loué. Ce sont les artefacts qui les intéressaient. Ils les ont volés tous les quatre. Je n'ai rien pu faire. C'est ce que je craignais. Mais comment qui que ce soit a-t-il pu apprendre que tu les avais en ta possession? C'est une terrible nouvelle. Oh, les artefacts! Ça alors? Ouais. C'est vrai. Je ne sais pas comment on a appris qu'il se trouvait là. Oh, tu sais, les espions. Alors. Ils sont trop puissants. Bien. Alors, simple, alors, non, même pas simple, lâche, connard, chiant, bon. Et je gagne 300 XP, tranquille, et il décède.
Ah non. Alors, mais je ne sais absolument pas par où commencer. Je suis prête, t'inquiète pas. Ah ouais, alors, Dorna, Xanos, mais Misha, on n'en a rien à faire. D'accord, j'aimerais. Alors, on s'en fout, oui, blablabla. Oh, d'accord, donc elle, on n'a plus rien à faire. Alors, ah, faut que j'enchante les. Oh non, mais ma pierre, elle me sert plus! Ah, je suis choqué. Bon, des questions sur. Parlez-moi de vous, LOLMDR. Voilà, gros connard. D'accord, parlez-moi un peu des artefacts. Ça, c'est bien. Bonjour. Est-ce que tu veux qu'on discute tranquillement avec un petit café alors que quelqu'un vient de mourir? Alors, voyons. Une main, une dent, une statue, un masque. Alors. Un puissant nom de Belfremote, très bien. D'accord. La dent de dragon. De toute façon, ça va être inscrit. Je skip un petit peu tout. Voilà. Et le masque. Voilà. Je pense que j'ai tout. Blablabla. Voilà. Et je pense que c'est bon. J'ai plus de questions. Je me prépare. Toi, bah non, toi, tu vas m'aider. Bonjour, mon ami. Alors, je suis inquiet pas. Il va s'en sortir, t'inquiète pas. D'accord, bon, en fait, elle ne sert à rien. Toi, tu vas? On dirait que le nain a fini par se mettre. Ah, parfait, donc j'ai un magicien. Je sais pas qu'est-ce. Oh, salut. Ouais. Waouh, le PNJ est trop bien fait. Alors, oh, qu'est-ce que c'est que tout ça, cette armure de cuir? Tata, je vais la prendre, je prends ça, et je vais essayer cette armure d'ailleurs. Faut que je me trouve de meilleures armures, une meilleure armure, c'est de la merde. La tête. Bon. Donc, clairement, parce que c'est exactement ce qui se passe là. Oh. Ah, il peut pas le mettre, oh là là. Que c'est mal foutu. Donc clairement, il faut que je fouille un petit peu. La salle à manger. Voyons, il n'y a rien ici. De toute façon, il faut que je trouve son bureau. Je vais devoir trouver son bureau. Escalier montant. Bassin, cuisine, vers le laboratoire. Parfait, tout cela. On va aller dans le labo du vieux. Le laboratoire du Nostrum en bas. Ouais. Moi aussi, je me demande, je me pose des questions. Oh, il y a plein de petites lumières, il y a plein de. Ouh là là, ça me pose. Ah, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Un autre kobold vient tout casser. Mais Rizzi va le combat. Oh non. Oui. Bonjour Rizzi, comment ça va? Rizzi, toujours Rizzi. Oh mon dieu, ça sent le truc nul comme Navi. Alors, il a été empoisonné. Alors. Je t'écoute. Vas-y. L'énigme de la résine. Une femme a 5 enfants et la moitié sont des fils. Est-ce possible? Non.
Ouais. Oh, ça brille. Ça suffit, vous deux. Allez vous faire foutre. Alors, comment on fait pour entrer dans le laboratoire? Oui. Oui, je m'en fous. Un peu de poudre a suffi. Alors, et pourquoi donc? Oui, on va essayer de comprendre. Je vais bien me laisser entrer. Échec! Aïe! Attends. Bon. Pose-moi tes énigmes, ok. Alors. Vas-y, aime les chiffres. Oh mon dieu. Alors, combien de fois utilise ton 9 pour aller jusqu'à 99? Alors, 9, 19, 29, 39, 59, 69, 79, 89, 99. Non, 9. Attends, combien de fois utilise ton 9 pour aller jusqu'à 100? 39. Sauvegarde. Quoi? 9. C'est dans mon sang. Ah bon? Je ne sais pas. Bon, ok. Alors, faisons autre chose. Alors, je vous avoue complètement que je sais absolument pas. Bah, 9, 19. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, les 2, 9, 2, 99 et puis 100. Je comprends rien. Moi, si je joue deux, blablabla, nanana, blablabla, comment faire pour rentrer? Laisse-moi entrer, échec, qu'est-ce qu'il y a? Pose-moi tes énigmes. Donc, 20, d'accord. Le prisonnier maintenant alors lui dit qu'il a droit à une dernière déclaration. Celle-ci est vraie, c'est le prisonnier ça. Hein. Alors, je vais être noyé. Ah, mais foutez-moi la paix, bordel de merde. Oui, prenons une des arbres qu'on tient. Quatre arbres et qui ont tous des fonds différents. Un groupe de magiciens vient là chaque année parce qu'ils aiment bien cette île. Mange deux sortes de fruits, mais chaque paire d'arbres ne peut avoir qu'un seul magicien en commun. Ce qui suffit par exemple, ils mangent à la fois les fruits et les pommiers. Oui. Est-il le magicien dans le groupe? Thèse. Ah, fous-moi la paix! Je suis une bite en énigme. Voilà. Vous voulez que je dise? Oui. Ouais. Ah, merci. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est? Trop d'objets! Trop d'objets! Bon, bah merci Xenos, hein, mais même si je t'emmerde. Bien. Alors, j'ai 4 spells pour revenir. J'ai la clé. J'ai appris un sort inutile. J'ai gagné de l'XP et j'ai envie de me barrer. Est-ce que je peux me barrer? Est-ce que je peux entrer? Est-ce que je peux aller me faire foutre? Ah, ça m'énerve. Clé de la chambre. Ah, la chambre du vieux. Oui, d'accord. Il y a marqué quoi dans mon journal de quête? Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, on va parler au vieux. Que je sais au moins où il se trouve, la chambre du vieux. Salle à manger, escalier montant. Bassin divinatoire. Elle est où sa chambre? Alors déjà, il y a un bassin divinatoire qui va m'être complètement inutile. Useless même, comme on le dit dans le jargon. Alors, la chambre du vieux. Qui est chambre vacante, c'est celle-là. Je pense que c'est celle-là. Cantine est mystérieuse. Ah, fufufu.
D'accord. Bah parfait. Je vais mettre du bordel. Voilà. Déjà là, je sens que je suis allégé. Là, tu vois, je me sens moins lourd. Je vais mettre ça aussi. Vais mettre une plume. Ah non, d'accord, bah là, il n'est plus là, alors. Il est parti loin, sa propre vie. Et qu'est-ce que je vais poser? Je ne sais plus. Et ça. Et voilà. Moi aussi, je fouillais les autres. Voilà. Oui. Tu peux faire en sorte qu'il n'y ait pas de piège sur ton coffre. Oui, je veux récupérer tes affaires. Va falloir qu'on revoie des trucs. Modifier. Oh, qu'est-ce que c'est que tout ça, hein? Incroyable, une gestion d'inventaire. Tiens, tu prends l'essor. Tu as quoi? T'as une dague, un bracelet. Ainsi qu'une tenue. Tu peux porter jusqu'à 22 trucs. Putain, mais tu vas être un putain, un cheval en fait. Oh, je t'avoue, ça c'est cool. Alors, la première nouveauté, je suis assez content. Du coup, je lui ai refilé du bordel. Est-ce que... Ah, mais j'ai une dague. Fais voir ta dague. 1 des 4, 10, 20. Et ici, j'ai quoi? 1 des 4, 10, 20. Perforant. Je vais te donner une deuxième dague. Tiens. Et est-ce que ça peut être utile? Est-ce que ça peut être utile? Absolument pas. Du coup, bah, je vais la laisser. On est d'accord qu'elle est revenue là. On est d'accord qu'elle est revenue là. Elle est pas revenue là. Putain, ça m'énerve. Gestion d'inventaire de mes. Elle a complètement disparu. Très bien. Vous me direz, c'est pas énorme. Qu'est-ce que je peux te passer? Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Une baguette de sort. Oui, une baguette d'acide vu que t'es magicien. Tiens, chope. Qu'est-ce que je pourrais te passer aussi? Je vais te passer un anneau de perspicacité. Tiens. En collier. Il me semble que j'ai un collier qui pourrait être utile. Là, je suis en train de leur stuffer. Ah putain, mais ouais, mais il va utiliser plein de sorts. Putain, mais chope, chope. Tiens, c'est tous mes sorts. Tiens. Tiens, je te passe ça. Tiens, même ça, une neutralisation de poison, ça pourra être utile. Voilà. Là, je pense que t'es bien. Tiens, même le sort d'effroi, tu vas utiliser plein de sorts. Je suis sûr que j'avais un anneau qui pourrait lui être utile. J'ai toujours des anneaux utiles. Voilà. Un anneau de protection. Anneau d'Iserli. Ah, voilà pour lui. Tiens, un autre anneau. Ah, putain. Tac. Tac. Ah, oh, c'est chiant, il faut faire tout ça. Je vais aussi te passer sagesse, une perle de sagesse. Tiens, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Et voilà, bon, t'es pas encore full stuffé, mais je pense qu'on va te trouver de l'équipement dans pas longtemps. Y a quoi d'autre que... Ah oui, on va revoir un truc aussi, on va reparler de notre tactique. Défends-moi une attaque que si je le fais. Ouais, voilà.
Distance, plus près. Et ça va changer pour le moment. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Arrêtons et parlons un peu. Sur là que tu lances un sort. Oh, tu peux lancer résistance. Ça, c'est intéressant. Je vais utiliser la rage de barbare. Ok, modifier tactile. Ok. Faudrait que je trouve la chambre du vieux. Maintenant, la question, c'est est-ce que je peux voler? Est-ce que je peux voler les autres? Parce que non seulement ce serait terriblement dégueulasse de ma part, mais en plus, il me voit faire ça. Oh là là. Ah là 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 là. Ouais, non, ça m'est pas utile. Ça ne m'est pas utile. Écoutez, c'est de la merde même. Voilà, c'est de la merde. Et là, c'est de... Alors, Misha... Épée d'entraînement, plus une élection, prière à Mistra. On va voir cette épée d'entraînement. Ah, intéressant, mais je vais la laisser. Donc, ouais, on en a, il est sûr. L'autre, elle met un piège. Et ça va. Bon, on va peut-être se bouger. Et on va choisir, enfin, dans quelle direction on va aller.